Re les gens et re bienvenue dans Shovel Knight. Et cette fois-ci on s'attaque à du très lourd puisque nous sommes au plein milieu du niveau 3ème donjon, 4ème, je sais plus trop. Et ça faisait mal au Mich parce qu'il y avait de la fumée un peu partout. Ah, désolé, c'est un peu la saison qui est fatigante. Et on avance vers le boss qui à mon avis sera des pouvoirs de feu et des pouvoirs psychédéliques à mon avis. Qu'est-ce que c'est que ce... Oh putain, c'est quoi ce chevalier vert là? Non! Donc, comme vous pouvez le constater par rapport à l'autre vidéo, on est bientôt du coup boss. Je pense qu'on va terminer le boss dans ce petit live. Et c'est parti pour un petit Shovel Knight très aiguisé qui va nous rassurer. Putain, je suis pas du tout rassuré. Il y a un petit chevalier vert qui m'attend, un petit con. Vas-y, viens, viens là. Allez, viens, viens là. Oui, je t'ai eu deux fois, je t'ai eu deux fois. Oui, trois fois. Putain, il va m'enlever toute ma vie, ce con. Putain, mais il... Ouais, quitte à faire, il donne du pognon. Alors là, il faut que je me transforme en face. Que je récupère mon pognon qui vole. Je peux pas tout récupérer, malheureusement. Oh putain, mais c'est des Pokémon, j'y crois pas. Non, c'est des Digimon, il ressemble plus à des Digimon qu'à des Pokémon. C'est assez fou quand même. Dire que je suis l'impression de jouer à un jeu Digimon, ça n'est pas du tout, hein. Oh, putain, j'ai eu chaud. Du coup, j'allais remourir. J'aurais pas accepté, hein. Oh mon dieu, putain. Non! Oh la chance! Oh non, je suis mort! Oh, je suis mort quand même. Non, non, non. Oh putain, je déteste ce genre de truc à la con. Mais bon, je me suis dit, allez, oh, c'est un let's play, on va être obligé de le terminer à 100%. Enfin, non, pas 100%, on va essayer de terminer le jeu. Pas à 100%, mais on va essayer quand même de terminer le jeu, histoire de se dire qu'on n'est pas des merdes quand même. On va tout... Écoute, hein, j'en ai rien à foutre. J'aurais dû peut-être en avoir un peu plus quelque chose à foutre. Je commence à en avoir marre de ce jeu. Coup de pelle dans la lave. Allez, mais meurs, bordel, meurs. Putain, non, mais je sais qu'il va m'enlever toute ma vie. C'est pour ça que... Ok, c'est bon, j'en peux plus. Non, mais non, bordel, non. 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 Clairement pas, non. Stop, quoi. Stop au massacre, stop à la violence. Non, putain. Non. Putain de merde. Ok, ça va le faire. Ça va le faire. Ça le fait pas, bah ça le fera pas, tant pis. Hein. Pas pour aujourd'hui quoi. Sympa pour ce live là. Voilà, on regardait un peu pour rien. Pour ceux qui me suivent, enfin ceux qui me suivent, putain. L'habitude de faire de live avec Gaël. Écoute, je veux pas te niquer, je suis ton pote quoi, merde. Oui, voilà, c'est ça. Viens là toi. Voilà. Je me transforme en face. Et là, je me retransforme en face. Oui, est-ce que... Enfin, ça sent plutôt bon. Il faut juste pas que je meure là. Voilà. L'autre. Vas-y, viens là. Ah putain, faut que je descende. C'est pas genre ultra simple comme genre. Merci, au pire. Face. Voilà. Oui, un nouveau checkpoint. Et là, il y a un Shovel Knight vert qui a l'air d'être motivé pour me massacrer. Et j'ai... D'accord, one shot. Pourquoi pas. Il y a que des Shovel Knight verts. C'est quoi, c'est moi que je dois affronter, quoi. C'est un clone de moi, c'est des expériences cheloues. Putain, mais... Voilà, j'ai plus de vie, hein.
Ah, j'ai plus de vie. Je suis en 2010, quoi. Oui. Ok. Là, c'est un speedrun, quoi. C'est genre... Vite, vite, vite. Ok. Face. Non. Non. Pas à chaque fois, mais arrêtez de me faire des poussettes à la rallonge, quoi. C'est horrible. D'accord. Je cours pas vite, les gars. C'est juste pour vous dire ça, quoi. Oh bah vas-y, il y en a un qui a sauté. Bon courage pour remonter. Hein. Merde, il sait remonter, le coup. C'est qui sait sauter? Est-ce que je peux pas sauter non plus? Non. Ok, donc j'ai intérêt de speedrunner le truc, en gros, si je tiens encore ma vie. Ok, donc... Allez, un petit coup de pelle. Vas-y, 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 vas-y. Et oui! Oui, voilà. Est-ce que c'est le boss? Est-ce que c'est le boss? Et oui, ça sent le boss! Ça sent le boss! Allez, on voit à quoi il ressemble. C'est parti. Ou pas, c'est pas le boss. Nihihi, laisse-moi tranquille! Montre-moi, Black Knight. Des subterfuges ne pourront pas m'arrêter. Subterfuge, ni. Les fruits de mes recherches ne sont pas de vulgaires subterfuges. Boum. Laisse-moi te faire une petite démonstration, je t'assure. Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Putain, je vous l'avais dit. C'est un mec de feu. C'est un mec de feu. Est-ce que je peux... Non. Il détruit tout. Il détruit tout. Je peux pas. Détruit tout. Je crois que c'est un peu inutile des fois. Genre, hé, je suis un phasme. Remarque, hé. Remarque, ça peut être utile en fait. Ok, j'ai trouvé une strat. Parce que si je vais devant lui, au-dessus de lui, je lui fais mal. Comme ça. Je vais pas le tuer. Mais j'en suis pas loin. C'est... Je pense que je vais garder le face, en fait. Je me suis dit, allez, un petit coup de magie. Mais non, en fait, canon le face, tiens. Parce que si j'arrive à le prendre par la tête comme ça, c'est nickel. Bon, allez, c'est parti. Mais... Allez. Oui, oui, voilà. Putain, mais il est chiant, hein. Fils de pute. Oh, j'ai... Oh merde, j'ai plus de magie. Oh merde, merde. 1, 2, oh putain. 1, 2, 3, oui. Là c'est... Oh non, 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 non. Non. Meurs pas, quoi. Meurs pas là, quoi. Oui. J'ai eu la vieille baguette. Bon bah il est tout content le petit cheval. On avance, je sais pas où on va, mais on avance. Là on va vers la droite. Parce qu'on va pas aller sur la gauche, de toute façon. De toute manière. De toute manière. En plus la musique est super cool, quoi. Oui, oh, je me suis mis réveillé. Allez, on se part d'ici. Ok, donc qu'est-ce que c'est que ça? Avant-poste de l'armurier.
Bonjour. Wallace, nos éclaireurs vous ont vu approcher et ont eu vent de votre quête. Voici l'avant-poste de l'armurier. Les braves sont retranchés ici au cœur du territoire ennemi. C'est dangereux. Pensez bien à vous équiper. Bonjour, le cheval. Bonjour, la grenouille. Bien sûr, en chose, je suis pas vraiment d'humeur. Si seulement quelqu'un pouvait me redonner un peu la pêche. Bon, ok, je vais essayer le hum ou le he. D'accord, merci Shovel Knight de ta. Oh, une Marie les tous. Salope. La salope. La salope. Mais c'est Dr. Fate? Ok, c'est les gens de la mode. Je m'en bats les couilles. Oh merde! Merde, merde! Merde, merde! Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Non. Je me suis fait arnaquer une fois. Vas-y, je vais le faire. Et si je le fais tous? What? Ok, je me fais violer par un. Wow, ça, il a pas l'air très très méchant, mais. Passe! Ah, oh, d'accord, dans les boutiques maintenant, les gens ils s'agressent. Normal. C'est fini, hein, mec, c'est fini. Hein. Voilà. Oh bah voilà, j'ai gagné 5 IPO, tranquille. Bon bah je me casse, hein, tu m'as botté le cul, mais... Il y a pas un... Oh mais d'accord. Attends. Mais je sautais par là. Attends. Non. C'est vraiment à partir d'en haut. Oh d'accord. C'est carrément un navire volant, genre le truc. C'est assez. Mais je peux pas avoir la partition là. Bon, bref. Tu as l'air d'être un forgeron. Bienvenue à l'enclumerie. Il vous faut une armure, je peux vous forger n'importe quoi. Ok, donc 3000 PO. Perdez moitié moins d'or lorsque vous tombez au combat, pas mal. 4000 PO, je peux me l'acheter. Réduisez votre protection pour augmenter votre limite de magie et gagner de la magie à chaque victoire. Ou à chaque victime. Réduisez votre protection. À 6000 PO. Ah bah là, c'est assez. Il est à 6000. Et effectuez deux plans de paix consécutifs pour charger une puissante taillade. Ah, c'est pas mal ça. Armure d'élan. Lourdement renforcée, ne reculez plus sous vos coups, mais vous arrêtez pour poser problème. Je vais prendre la maille d'Idamo. Yeps. Merci. Et comment je fais pour charger mon coup? Effectuer deux plans de pelle consécutifs pour charger une puissante taillade. Ok. Je fais là des plans de paix. Bref, vas-y. 4000. Maintenez l'attaque pour charger une taillade. Permet de creuser de terre d'une seule pelletée. Étincelle à chaque coup d'épée de niveau du sol lance des étincelles. Ah, c'est pas mal tout ça. Oui, je sais. Je reviendrai ici. Oh, il y a une pelle. Il y a une tortue qui a une pelle. Ouais, attends, trop tard. Allez.
putain, et je peux pas. Comment je fais? Je le casse, hein. Et voilà, un épisode plutôt assez court. On n'a pas fait grand-chose, on a juste battu un boss. Et donc, bah, on va voir la suite de nos aventures là prochainement. Sur ce, dans un prochain épisode de Shovel Knight. Ciao!